Bonjour à tous, on vous revient avec une autre petite vidéo. Vous venez de voir que j'ai un petit quelqu'un avec moi. Aïe aïe. C'est mon Puccini. J'ai boli boli. Voilà. C'est mon petit chien. Il s'appelle Puccini. Il y a environ... Il y a 6 ans, je pense. 7 ans? 7 ans. Il y a environ 7-8 ans. C'est un petit chien. Alors, si vous avez les vidéos de Juliette et Brooklyn, Juliette et Brooklyn, Léa et Juliette, c'est la même sorte de petit chien. C'est le même petit chien, regardez. Mais c'est juste que c'est un... Surtout, mais c'est juste que c'est un petit garçon. Voilà. Il est tout doux, il est tout gentil. Puis il mord des fois pour se faire les dents sur nous. C'est colleux. Il adore faire de dos avec nous. Qu'est-ce qu'il fait quand on n'a plus faim, on peut lui donner notre manger. Lui, il adore le manger de table, mais il a aussi ses petites croquettes. Croquettes? Petit. On sait que croquettes? Hein? Ah, des croquettes? Voilà, c'est un petit chien. Qui est pas gagné. Il est tout doux. Il aime pas prendre son bain. Non, sauf quand on veut lui faire prendre son bain. Il aime pas prendre son bain. Il aime dormir surtout. Ouais. Fait qu'un soir, quand la porte de ma chambre est fermée, ben, il gratte après la porte. Jusqu'à temps que ma mère se lève pour qu'elle vienne ouvrir la porte de chambre. Pour qu'il rentre dans ma chambre. Fait que mon petit chien, c'est un petit amour. Quand il veut pas qu'on prenne son bain, ben, quand il veut pas prendre son bain, ben, il grogne. Hein? Il déteste vraiment ça, prendre son bain. Il aime vraiment pas prendre son bain. Petit, buddy! Buddy, buddy! Je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est petit. Hey boy! Petit game! Voilà, il ressemble à Brooklyn. Fait que si vous écoutez Juliette et Léa, là, je ne suis pas jolie et pas shopping. C'est le même petit chien, mais c'est juste que nous autres, c'est un petit garçon. Voilà. Il est tout beau, il est tout cute. Nous autres, on l'a eu à peu près. Il était petit comme ça. Il y avait même pas un mois encore quand on l'a eu. Il était petit comme ça. Et je pouvais le tenir dans ma main. Juste voilà. Dans notre main de même. Voilà. C'est un petit chien tranquille. Il a envie de dormir. Il a envie de faire dodo. Il aime pas les autos. Non. Ni les cyclistes. Quand il y a un cycliste qui passe, il aime pas les voitures. Il aime pas les voitures, dans le sens que quand il rentre, il aime pas les étrangers en fait. Mon petit chien, il a peur des étrangers. Mais quand il voit un étranger, ben, voilà, il passe des heures à japper après. Voilà, c'est ça le petit défaut, il jappe après tout le monde. Mon petit chien, lui, il a peur, c'est un petit chien peureux. Voilà. Il est là en ce moment, il est tranquille. Je le flatte, puis il est tranquille. Il aime pas quand il coupe les griffes. Fait que si vous avez des options pour qu'on puisse réussir à y faire prendre son bain sans qu'il nous grogne après, puis tout, ça va être pas impossible. Si vous avez des idées pour ça, ben ça serait bien plaisant parce que. Vu qu'on l'a donné, on pourrait aller faire prendre son bain. Non, on n'a pas de chance. Voilà, c'est un petit chien tranquille. Il adore faire dodo surtout. Fait que, il adore se cacher derrière moi. Il a souvent chaud. Cache-toi, décache-toi. Là, pour moi, il est gêné. Voilà, c'est mon petit garçon. Pourquoi tu me regardes? Ouais, mon amour! C'est boli boli! Boli! Fait que, voilà. Là, vous voyez, il y a une vanne qui est passée dans la rue, sur la route, et il vient de japper après. Fait que vraiment, c'est un petit chien qui n'aime pas ça. Qui aime pas ça. Il essaie de se sauver. Voilà. Il s'est sauvé.
Fait que là, mon petit chien voulait descendre. Fait que je l'ai fait descendre pour ça. Alors voilà, si vous avez des conseils à nous donner pour réussir à laver pour les griffes, peu importe, on pourrait essayer. Puis si vous avez des conseils aussi pour les puces, s'il y en a qui ont des chiens, qu'est-ce que vous faites quand eux ont des puces, peu importe, n'importe quoi. Nous autres, on va essayer. On a essayé plein de trucs, puis ça n'a pas marché. Des gouttes pour les puces, le shampoing à puces, on a tout essayé. Fait que si vous êtes capable, si vous avez des chiens, puis vous savez quoi faire pour ça, ben, ça serait gentil, merci. Et à bientôt. Bye. Bye.